Il y a un tag crochet. Dingue, il y a un tag crochet. Oh, ça me fait penser que j'ai pas du tout préparé la scène créative sur le truc du hibou là en haut. En fait, j'ai rien préparé. Je suis parti et j'ai fait hop. C'est pas grave, on va faire ça ensemble. Je sais pas ce qui est le mieux pour la caméra. Alors déjà, la mise au point. C922. Ah, mise au point automatique. Le clavier me sert à rien pour l'instant. Ah si, faut que je modifie les trucs là-haut avant. Je crois que je n'ai pas l'image. Je crois que je n'ai pas l'image. Donc je pense qu'on va tout simplement hop, cacher ce qu'il y a là-haut et puis voilà. Je le ferai la prochaine fois. On va déplacer le micro quand je vous dis que j'ai rien fait. Voilà. Et donc du coup, on va faire ça. On va faire ça aujourd'hui, les amis. Est-ce que vous avez déjà fait du crochet? Crochet, c'est... Hop. Ah, génial. J'ai perdu mon crochet, justement. Je pourrais pas vous montrer avec un gros. Ah mais non, je suis con. Je l'ai rangé. Voilà. Un crochet, c'est ça. Vous avez peut-être sûrement déjà vu les aiguilles à tricoter qui sont vraiment deux grosses aiguilles et une maille en dessous, une maille au-dessus. Ben là, c'est... On peut faire la même chose en fait, avec le crochet et le... Ah, il est où le début? Avec le crochet et le... Et le et les aiguilles à tricoter. Je suis désolé, c'est la fin de semaine, je ne trouve plus mes mots. Ça va la caméra comme ça, hein, comme ça. Si je décale un petit peu comme ça. Hop, peut-être un peu plus haut. Voilà. Et du coup, le principe. Un peu de fil. Est-ce que je peux avoir du fil, s'il vous plaît? Ah, j'ai pas pris le bon bout. Tu commences par faire un nœud coulant. Hop, tu passes ça dedans. Tac. Et ensuite, et bien tu fais tes mailles. Et d'une. Et de deux. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la maille de base. Et je vous assure, ça détend de ouf. Voilà. Du coup, là, vous avez quatre petites mailles. Vous avez quatre petites mailles. Enfin, une grosse maille, parce que ça, c'est du fil de compète. Déjà, c'est un fil qui n'est pas du tout élastique. Et j'en suis servi pour faire un petit panier comme ça, dans lequel j'ai mis toutes mes merdouilles qui traînaient sur le bureau. Et je pourrais en faire un grand pour le chat. D'ailleurs, Enoria sur le Discord avait partagé le sien. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, venez vite, bande de fripons. Et après, il y a plusieurs techniques que j'ai déjà oubliées. Il va falloir que je me rappelle. Wow, la musique est forte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Parce que le crochet c'est cool, mais on peut faire ça. Ce qui s'appelle un amigurumi, c'est des sortes de petits personnages, genre presque des doudous. Et j'en ai jamais fait, pour l'instant j'ai fait que des trucs simples. Et là on va s'attaquer à un truc au niveau au-dessus quoi. Genre voilà, là par exemple c'est une boule et c'est rembourré avec du coton dedans. Et mon but après ce serait bon... Le koala, il est bien mignon, mais j'aimerais bien faire des trucs un petit peu vidéoludiques.
J'aimerais bien faire un petit Ratchet et un petit Clank. Donc du coup, il y a la notice avec en toutes les langues, hein, avec le détail des mailles qu'il faut faire. Et j'avais acheté ça au début. J'avais acheté ça et franchement, c'était galère à comprendre. Ça fait 3 mois que je l'ai le truc. Hein. On l'attaque que maintenant. Ça fait 3 mois que je l'ai. Et au final, j'ai acheté un autre bouquin qui est vachement bien. Si jamais vous voulez, je vais plutôt le mettre là. Si jamais vous voulez vous y mettre, parce que ça commence vraiment et des trucs ultra basiques, des projets ultra basiques. Hop. Bon, ça c'est la madame qui a fait le livre. Bonjour madame. Avec les différents, bah, du coup la différence entre le crochet et le tricot et le matériel. Donc ça c'est tous les projets qui sont dépeints dans le bouquin. Voilà, et donc moi mon tout premier projet ça avait été donc vous avez vraiment le détail avec des photos et tout, comment tenir le crochet. Bon ça au bout d'un moment chacun le tient de la façon dont il le veut. Et les différentes techniques. Donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai fait une chaînette, c'est-à-dire une succession de mailles en l'air. Les mailles serrées, c'est quand tu atteins l'autre. Enfin, tu refais un rang. Donc en fait, c'est une succession de rangs, quoi. Et à la fin, tu as un truc comme ça. Ça, c'est une succession de rangs. La technique pour entrer les fils. Les différentes techniques, genre là, la maille coulée. Et voilà, et donc là, vous avez vos premiers projets. Donc moi, j'ai fait ça en tout premier. Je crois que ça traîne quelque part derrière. Vraiment un cache-pot. Et c'est vraiment le B.A.B.A. pour apprendre à faire du crochet. Et donc voilà, ce bouquin était vachement bien. Donc j'ai fait un peu ça, je me suis dit, une fois que j'aurai un peu plus la base, je reviendrai sur cet amigurumi et j'essaierai de le faire. Sachant qu'il conseillait aussi, quand tu commences, de travailler avec des gros fils. C'est plus simple, et des gros crochets. Là, vous allez voir, c'est beaucoup plus petit. Spoiler alerte, pardon, ça va sûrement être un échec. Ça c'est vide. Mais bon. Ça serait pas drôle sinon. Que je regarde un petit peu. Changer de couleur, information préalable. Tous les éléments sont crochetés en rond, en spirale. Pensez à marquer la première maille à chaque nouveau tour avec un marqueur. Marqueur, c'est ça. Pas un marqueur. Vous faites sur les tableaux là. C'est une espèce de petit de petite pince que tu accroches en fait. Une sorte de petit cadenas que tu accroches et pouf. Comme ça tu sais où est-ce que tu as commencé ton tour. Changer de couleur, fermer une pièce, coudre une pièce brodée. Ah, conseils généraux. Oui, bon on va essayer. Démarrer une pièce et crocheter en spirale. Crocheter en spirale est la technique la plus utilisée pour réaliser des amigurumis. Elle consiste à travailler en rond, en continu, sans tourner le travail. Pour démarrer, faire une chaînette de 2 mailles en l'air. Ouais. Faire le premier tour de l'ouvrage en piquant dans la première maille en l'air que l'on a crocheté, c'est-à-dire la deuxième en partant du crochet. Ouais, c'est jusqu'à là, c'est logique. Dans cette maille, faire le nombre de mailles serrées indiquées. Ici, pour l'exemple, 6 mailles. Donc tu fais un petit rond et ensuite tu tournes. À la fin du tour, continuez simplement à crocheter la maille suivante, c'est-à-dire la première maille du tour que l'on vient de finir. Ok. Deux mailles serrées. Alors, attends, du coup, j'aime bien avoir mon gros bouquin. Hop. Mailles serrées. Je vous dis que ça fait un bail que j'en ai pas fait. La maille serrée. Donc tu piques dans la deuxième maille. Oui, ça c'est bon. Vous savez quoi? Je vais faire un test avec ce fil-là avant d'attaquer avec le vrai.
Okay. En fait, je suis ok avec ça. Si on les tape, je vais faire un nouveau jeté. La première maille serrée. Ouais, donc ça, c'est pour faire des rangs. Donc, non, ça, je m'en souvenais. Mais la question, c'est pourquoi, comment tu en fais 6? Tu en fais 6 dans la deuxième. Tu fais les 6 dans la même, en fait. Ok. Alors, du coup, ça reviendrait à faire. Hop. Ah, j'ai pas assez de fil. Je ne sais plus faire un nœud coulant. Voilà. Hop. On va se mettre là. J'espère que l'image est pas trop sombre. Vous avez dit en faire un nœud coulant, puis deux mailles en l'air, ok. Et ensuite, puis mailles insérées dans la deuxième maille en partant du crochet, donc dans la première qu'on a fait. Attends, non, ça serait celle-là. Ah. Ouais, c'est ça, 1, 2, donc c'est celle-là. Hop. Tac. Et hop, là, on a fait. Et avec ce fil-là qui est pas du tout. Qui est pas du tout. Comment dire. Extensible. Il est très raide. C'est compliqué parfois. Ouais. Et du coup. Dans cette maille, faire le nombre de mailles serrées, c'est ça. Donc je dois en faire 6 là-dedans. Tout en tournant. Bon, du coup, pourquoi il est tordu le papier là? C'est-à-dire que je repasse dedans. Hop. Ah oui, d'accord, oui. Pour faire un cercle. Une, deux, trois. Hop. Quatre. Et la sixième. Ah, elle est plus tard. Et le 6. Alors donc là on a nos 6 mailles serrées. Et où la première que j'ai faite? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. C'est assez compliqué à voir au début, honnêtement. Mais normalement, j'en ai bien fait 6. Peut-être en dessous. Attendez, on va voir. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ah c'est ça, ouais, je suis repassé dessus en fait au bout d'un moment. Et 6. Ok, donc 6 c'est bien ça, c'est pour faire un truc en cercle. Donc hop, ce truc-là, on va plus s'en servir. Et maintenant, on va s'amuser à travailler avec les petits fils. Et ça va être fun. Ah. Première pelote. C'était celle-là. Ah ça va, elle est pas trop abîmée dans mes souvenirs, je l'avais plus abîmée. Ah oui, mon petit nœud coulant, il est là. Ah, je crois que j'ai laissé le crochet dans un autre sac. Je reviens!
pas la même, hein. C'est pas la même du tout. Là, je me rends compte que j'ai laissé 10 fois trop de fil. Peut-être refaire le nœud coulant. Comment ça, il se casse pas? Attends. What? Ah. Bon, bah c'est pas grave, on va couper, hein. On va couper. J'espère juste qu'ils avaient prévu du rab dans le fil. Mais normalement, oui, ça va, c'est assez. C'est assez généreux. Il est tout doux le fil. Oh bah j'ai l'impression d'avoir fait aussi long que ce qu'il y avait tout à l'heure. Ah vache, c'est tout petit. C'est tout petit. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident du tout. Salut ma Coven. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ok, alors, deux mailles en l'air. Ah, petit bout de fil là. En bête. Et une. C'est tout petit. Et de deux. Super. Et là, faut que j'en fasse six dedans. Souhaitez-moi bonne chance. Hop. Mais non. Ah la vache. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est tout petit. Je vais pouvoir rapprocher la caméra du coup. Attention de pas serrer. Ouais. Pas trop serré, exactement. Par contre. Ah, voilà, vous y verrez un peu mieux. Tu en fais toi, Macoen? Oh coucou sa crochette, coucou Mirabelle. Ouais, j'essaye, j'ai jamais travaillé sur les trucs aussi petits. Voilà. Voilà. La première maille serrée est d'une. À la fin du tour, continuez simplement à accrocher à la maille suivante, c'est-à-dire la première maille du tour que l'on vient de finir. Ouais, c'est ça. Faudra que je mette un marqueur. Ils sont là de toute façon. Hop. C'est tout petit. Oups. Et deux. On les voit quasiment pas. Ça va être rigolo pour les récupérer après. Ah ouais, alors moi, comme je disais, j'ai un peu d'expérience. J'ai fait 2-3 trucs, mais avec du gros fil comme ça. Tu vois? Donc là, j'avais acheté ce pack pour faire un amigurumi koala. Et c'était compliqué du coup. J'ai fait, oh, je vais m'entraîner sur des plus gros trucs.
Ah la vache, c'est tellement minuscule. Allez. Le pire, c'est que je sais que c'est le début qui va être le plus compliqué. Après, une fois que j'aurai ma base de cercle, c'est toujours le début qui est le plus compliqué. Une, deux, trois. En bête ce film. Ah! C'est trop petit! C'est pour ça pas trop serré, surtout pour le début. Oui, tout à fait. Oh, t'es gentil, Mirabel. Pour l'instant, j'irai pas jusqu'à dire que je me débrouille bien. Tu crochettes aussi, Mirabel? Et le mercure sont à son ami. Ouais, c'est clair. Attends, ils sont où? Ils sont là. Il m'embête ce petit fil là. Celui du note départ. Hop, voilà. Voilà. Et de 4. 1, 2, 3, 4. Je les vois toujours, c'est bon. J'ai peur de repasser sur le premier, comme tout à l'heure avec le jaune. Et de 5. 1, 2. 4, 5. Je sais plus ce qu'il y a le trou par contre là. Ah, il y a. Hop. Elle est pas bien. Ah non, le chat. Alors là, avec le fil et tout, tu vas pas venir. Non, allez! Le chat. Non, j'ai zéro patience pour ça. En vrai, je n'ai pas beaucoup de patience non plus. C'est vrai que ouais, ça, je trouve que ça détend. Sais, pendant que tu regardes un truc et tout, tu fais un truc de tes mains. Ça occupe pas de temps de cerveau et tout. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a les 6! 6 augmentations. Ah, j'ai oublié les augmentations. J'en ai fait, mais j'ai oublié. Une augmentation, il suffit de faire 2 mailles serrées dans la même maille du tour précédent. Oui, ok. Du coup, deuxième tour. Et du coup, le marqueur, tu le mets où? Tu le mets à. Sur la dernière que t'as fait, c'est ça? Allez, voilà. Marqueur, le marqueur. Ah oui, ok, non, c'est sur la première du tour suivant que tu le fais. Et les mailles. Attends le chat. La maille serrée, tu l'as fait. Attends, il y a une meilleure photo. Deux mailles dans la même maille, dans la première maille du tour, sinon c'est ça. La maille serrée, t'as vu. T'as vu sur le côté. Je vais pas me planter, je vais piquer la bonne chose. Tu le fais dans les deux, je crois, hein. Tu piques les deux. Hein. C'est tout petit.
Ah, j'arrive pas à les récupérer. C'est microscopique. J'arrive pas. Salut, Need to Scribble. Hello à toi. Ah là là. Ouais, j'avais piqué là. Allez. Les dunes. D'accord, tu le fais sur un rang. Cache-pot, blablabla. L'autre. Non, attends. Crochet des maïs serrés. Oui. Ah, voilà, faire des rangs de maïs serrés. Sous les deux brins à la fois. Ouais, ok, c'est ça. C'est bien sous les deux brins à la fois. J'arrive pas. Je sais pas si c'est trop serré ou autre. Mais j'y arrive pas. Tu as le nombre de mailles à la fin du tour, vraiment. Ouais. Non, mais par contre, là. C'est celle-là, mais j'arrive pas. À récupérer. Pourtant, j'ai pour le coup, j'ai pas trop serré. Hein. En tout cas, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est ces deux-là. On travaille sur tellement des trucs petits que. Attends. Je crois que je sélectionne pas la bonne. Peut-être pour ça. Elles sont là, les deux. Elles sont là. Le crochet avec la musique bourrine derrière. Ouais, non, c'est bon. J'avais pas, j'essaie d'attraper pas la bonne. C'est normal. Ça va être 12, je pense. Ouais, tout à fait. Je suis censé en avoir 12. Voilà, enfin, j'en ai 6 et je suis censé avoir 12. Suis le tempo de la musique, c'est ça? Faire des bêtises, moi. Par contre, une augmentation là-dedans. Et d'une? Si on m'avait dit. C'est bon. Si on m'avait dit il y a un an. Ouais, à ce moment-là, tu seras en train de faire du crochet en écoutant. En écoutant la musique. Enfin, en train de faire du crochet sur Twitch, hein, surtout. Ah. Spoiler alerte, il sera pas très beau l'amigurumi à la fin. Mais c'est pas grave. Ok. Là, c'est bon. On enchaîne. Hop. Et d'une. Une deuxième parce qu'on fait une augmentation. Et de deux. Merde, j'ai oublié de mettre le. J'ai oublié de mettre le marqueur. 1, 2, 3, 4. La vache, il est aussi grand que le cercle. Oui, n'est-ce pas? C'est moins élastique comme laine. Ouais. Elle est pas très très élastique celle-là. Du coup, 1, 2, 3, 4. Parfait.
Hop là. Et 2-6. Comment savoir un rond? Comment savoir quelque chose? Peut-être mettre autre chose comme police, en fait, je trouve que c'est pas trop approprié. Même si j'aime beaucoup ce morceau. Qu'est-ce qu'on fait? Non, un truc plus chill. Genre du José González et compagnie. Merde, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Donc il m'en reste 2, exactement. Il m'en reste 2. 2 par an. Par mail. Hop. Hop, du rab. Et de dernière. Ah! J'ai glissé, chef. Alors normalement, c'est tu bouges le crochet autour du fil, mais moi j'avoue, c'est moi qui amène le fil dessus. Eh bien c'est parti, tu vas assez vite. Ah bon? Ça coûte cher le kit. Ah, attends, je finis juste ma maille, parce que je sais plus à combien j'en étais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, onze. Il en manque une. Alors, je me souviens plus, mais dans mes souvenirs, non, il avait pas coûté très cher. Regarde sur le site. Sur le site de Cultura. C'était à Cultura que je l'avais trouvé. Hop là! J'ai fait mon tour! Yay! Je vais assez vite. J'ai pas l'impression. Alors, voyons voir chez Cultura. Si je tape quoi là? Ouais, je tombe sur plein de trucs. Sur les quoi là? Quoi, l'accrocher? Ouais, c'est pas dit qu'il en... Ouais, 15 euros, tu vois, voilà, je l'ai vraiment. 15 euros le kit. C'est ça, 15 euros. Vous savez quoi? Je suis même tellement sympa que je vous drop le lien. Hop là! Moi, je vais garder le lien d'ouvert, comme ça, je pourrais mettre l'image. Ok! Alors. Une maille serrée, une augmentation x 6. Une maille serrée, une augmentation x 6. C'est-à-dire que j'en ai 12. Actuellement, j'en ai 12. Donc je vais faire 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Du coup, ça va faire 12, 18. Ouais, c'est ça. 18 mailles, c'est bien. Ah, c'est bien foutu. Hein. Enfin, oui, vous voyez plus du coup le livre, mais c'est indiqué là. Donc là j'étais au tour 2, 6 augmentations. Là je suis au tour 3, une maille serrée, une augmentation, x 6. Au total, je suis censé avoir 18 mailles. Va pas falloir se planter hein, par contre, hein. Faut pas perdre le compte. Hein. Hop. Je peux virer le marqueur que je mettrai à celle d'avant. À celle d'après, pardon. La prochaine que je vais faire là. Donc là, on a dit une serrée.
Voilà. Voilà. Une série. Deux augmentations. Enfin, une augmentation. Oula. Ah. 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 Non, ça c'est bon, c'est là. D'ailleurs, ça permet de si jamais tu enlèves ton crochet, le marqueur fait que tu perds pas. Ton travail se défait pas, quoi. J'arrive plus à parler ce soir, c'est terrible. Oui, je trouve que c'est plus clair que du texte. Comment ça? Bah là, c'est du texte, hein. C'est du texte, c'est juste qu'il y a des acronymes pour que ce soit plus rapide. Alors attends. Hop. Ouf, j'ai failli perdre. Voilà. Une. On en refait une au même endroit. Deux. Yay! Une série. Et une augmentation. Une. Et de deux. Une série. Faut perdre le compte, hein. Une augmentation. Et deux. Et deux. Une série. On va y arriver, hein. On s'apprend de fort. Ah, c'est bon. J'en suis à quoi? J'en suis à une série. Faut pas se perdre, hein. Faut pas perdre le compte, hein. Une augmentation. Une fois. Du coup, les augmentations, vous l'aurez bien compris. Hop, ça fait que notre cercle est de plus en plus grand, quoi. Sinon, on travaillerait toujours sur la même longueur et si tu peux pas agrandir de cercle dans ce cas-là. J'en étais où? Ah! Il en reste 3. Merde, attends, j'en ai fait combien? Une, deux, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai fait 15. Il m'en reste 3, donc oui. Attends, j'en ai fait 15? Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Attends, mais je sais pas compter ou quoi? Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10. Ah, je sais pas compter. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai fait 14. 14.
Il me reste 4 à faire. Il y en a 3. quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où j'en ai fait deux, alors je devais en faire qu'une. Bon, je vais pas tout redémonter, de toute façon il m'en manque 14, il m'en manque 4 donc. Faire une augmentation, non, une série là. Voilà, une série. Et une augmentation ici. Une. Et de 2. Voilà, je suis à combien là? Une maille serrée, une maille augmentée, une maille serrée, fois 6. J'ai soif. Pas trop tendu. C'est compliqué. Virer ça. Une maille serrée. Qu'est-ce qu'il fout au-dessus? Les voisins font bom 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 bom. Une. Je sens avoir 24 à la fin. Une serrée. J'ai oublié de mettre le marqueur. Ah merde, j'ai oublié de mettre le marqueur. On a fait 4. 1, 2, 3, 4. Allez! Mais j'arrive pas à le fermer. Avec une seule main. Hop là. J'en utilise 3 normalement. J'en ai 15 avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Non, ne paniquez pas, tout va bien. Ok. On refait un cycle. Une serrée. Une augmentation. Deux fois et une serre. Ouais, la playlist est plus appropriée. Tita, je crois qu'ils ont les petits vos enfants au-dessus. Bam 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 bam. Ouais, c'est clair. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'entends bam 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 au-dessus. Ouais.
Mince. Ouais, maïs serré. Ah bah la vache, j'ai pas le droit de me déconcentrer. Hein. Augmentation. Augmentation. Maïs serré. Il y a un côté satisfaisant de travailler sur des petits trucs aussi. Oh là, attends, non. Passe un truc bizarre. Hop. Voilà. Normalement, il me reste que 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. Non, j'en ai 18, j'ai fait la moitié, il m'en reste 9, c'est ça. Il m'en reste 9. La panique. Allez, c'est reparti. Hop. Une serrée. Une. Ah, mais. Une augmentation là-dedans. Une fois. Un peu de tension dans le bras. Une serrée. Pourquoi il m'en reste 5? Qu'est-ce que j'ai fait? Une, deux, trois. Ah, c'est plutôt. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Une, deux. Ah, je vois rien. Ouais, c'est ça. Merde, je sais combien. Ouais, c'est ça, ok, je vais faire mon augmentation là. Hop. Ah, faire attention à pas se perdre. Hein. Un, deux, trois, un, deux, trois, c'est ça. Voilà. Une augmentation. Et après on va recompter hein, et c'est là qu'on va pleurer, qu'on va voir que j'ai dû en oublier une quelque part. Hop. Voilà. Alors, oula. Ça n'a pas été très bien serré ici.
Combien j'en ai? C'est la blague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Merde, j'ai bougé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 avec celle que j'ai sur moi là. Tu la comptes celle-là ou pas? Est-ce que tu la comptes celle que t'as sur le crochet? Merde, je sais plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23. Non, ça va faire partie de la première. Non, tu la comptes pas, hein. Et j'avais tout bon. À quel moment je me suis planté? Une simple. Une double. Une simple. Là, il m'en reste 3 et je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, je sais que celle qui est niquée, c'est la 7ème. Pardon pour le langage. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Et je vais en faire 4. Ah, c'est ça, il m'en manque une. Il m'en manque une. Ça, c'est normal. Ah oui, c'est ça, ouais. 2, 1, 1, 2, 1. Ouais, c'est ça, j'étais censé en faire 2 et j'en ai raté une ici. Ouais, comme quoi, hein. Fais bien attention. Pour les augmentations, hein, faut bien repiquer le bon. Voilà. Un, deux, un, deux. Merci de la confirmation. Ça va, c'était pas très loin l'erreur. Je recompte souvent. Un, puis là, j'en faire deux. J'ai une de ces fringales. On a bien mangé ce midi, mais... On a bien mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Ah, on n'a pas mangé normalement. On a essayé de se faire du poulet croustillant. On avait acheté un morceau de poulet. On avait acheté du filet de poulet alors qu'il fallait de l'escalope, donc il fallait que ça soit fin. C'est un petit peu un échec. Oh merde. Non, reviens. 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 Je peux t'avoir. Tends la main. Non, je l'ai pas eu. Voilà. Ok, normalement c'est bon, j'ai le bon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours la même. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alléluia. Alléluia. Ah, ah. Je sens qu'on va faire que la première. Hein. On va faire que la tête. Là, on fait la tête de la maman koala. Hein. Merci. Ensuite, ça c'était le tour 4. Il y en a 18. Il y en a 18. À l'aide. 3 mailles serrées, une augmentation. Ok. 3 mailles serrées, une augmentation. Ah. J'ai perdu le fil.
Hop. Allez, la première là. Hop là, voilà. Petit marqueur sur la première. Alors, vas-y. Une série. Une série. Une série. Une augmentation. Quoi, attends? J'en ai fait que deux. Non, ma première, c'était la précédente. Je viens d'en faire trois là. C'était celle-là la première. Oui, vu que je l'ai fait, c'était pas sur le fil que je viens de faire qu'il fallait que je le mette. Suis-je nouille? Voilà, 1, 2, 3, et là. Je suis perdu. Suis perdu! Attends, c'est simple. Combien il me reste de l'autre côté? 4, c'est-à-dire que j'en ai fait sur 3. Ouais, donc c'est bon. Donc là, le prochain, j'en fais 2. Une fois. Deux fois. C'est reparti pour trois mailles serrées. Une. Deux. Comme ça, et une deuxième au même endroit. Ah, caméra pas très bien placée. Voilà. Ça fait travailler. Ça pardonne pas l'oubli de marqueur. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Je commence à avoir un début de boule. Vraiment un début. Il est quelle heure? Il est 18h. Et d'une. Et de deux. Augmentation numéro 1. Augmentation numéro 2. Je suis censé en avoir. Je l'ai fait combien? Je l'ai fait 3 fois. Je suis censé avoir un multiple de 1, multiple de 4 dans tous les cas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Crognonieux, où ça? 4. Ah non, attends, je suis censé avoir des multiples de 5. Je fais des augmentations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Et c'est reparti. MS1. MS2 pour mailles serrées. Hein. MS3. La refais. MS3, j'ai dit. Voilà. Augmentation. Augmentation numéro 1. Augmentation numéro 2. Il y a une fille qui s'entortille à force. Et c'est reparti. Ah, les tours vont être tellement longs. Je pense pas qu'on finisse la tête ce soir. Ah mais pourquoi ça a changé de scène? On voit plus tes doigts. Pourquoi ça a changé? Hop, je suis désolé, pardon, j'étais tellement concentré. Merde, je sais plus, c'est la deuxième? Je sais plus où j'en suis. On voit plus! On voit plus tes doigts, mais joli écran de fond. Par contre, ta caméra est non disponible. C'est cassé, chef. Merde, je suis désolé. J'en étais où du coup? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait une maille serrée, je suis en train de faire la deuxième. Ça correspond à peu près à mes souvenirs. Désolé, hein. Merci. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Ah oui, ici, j'ai appuyé sur Game, au lieu de revenir sur Creative. Apprendra à faire mumuse avec les scènes. Hop. Et là, j'en fais deux là-dessus, et après, je fais 1, 1, 1, 1, 2, c'est ça. Oh, je me suis peut-être pas planté ce coup-ci. Un tour sans se planter, une fois. Deux fois. Et coucou Limp, du coup, je t'avais pas vu. Je suis pas sûr. Je t'ai vu plus tôt. Donc coucou à toi. Alors ça te donne envie de t'y remettre, hein? Et d'un. Mais, va-t'en le marqueur. Et de deux. Et de trois. Et là, augmentation sur le dernier. Va-t'en le marqueur. Il est énorme par contre. Je sais pas s'il y a moyen d'avoir des plus petits marqueurs. De l'autre côté, faut quand même bien les voir. Et si jamais tu t'en sers pour arrêter ton ouvrage, qu'il soit là. Qu'il soit quand même bien, bien épais, je pense. Ah ah. C'était le tour numéro 5. Plus que 13. Suis en toute description depuis la fin de la saison Pender, mais j'étais en donjon à côté. Il n'y a pas de souci. Toujours sur WoW? Ou tu veux y passer sur autre chose? Viens sur FF14. Et du coup, le joli fond d'écran que tu disais, oui, effectivement, c'est ça. Un fond d'écran de FF14 pour le coup. Tour 6! Ah, petit doigt qui craque. Tour 6. 7 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Bah mon con va pas pouvoir se planter. Bah écoute, si tu t'amuses toujours dessus, c'est l'essentiel. Oh là là, regardez, ça ressemble presque à quelque chose. Le mot important, c'est presque.
Allez, je vais faire un pissou et je reviens. Alors, trop facile le tour, c'est ça. Alors, ah, je me sèche bien les mains du coup, parce que j'avais les mains. Ah, je me suis lavé les mains en revenant. Vache. Qu'est-ce qu'on peut garder comme humidité sur les mains? Après, il va y avoir des. Au niveau des oreilles, là, je suis en train de regarder. Il va y avoir du changement de couleur. Ça va être fun. Ça, j'ai jamais fait. Ça va être fun. Hop, hop, ok. On a dit 7, 1, 2. Hop, voilà. Éteint. Deux. Ouais, je sais compter. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Et maintenant, augmentation. Ah merde. Une fois. Deux fois. Hop, et ensuite, deux mailles serrées. D'une et je crois pas du bouquin de Frank Herbert et de deux. Ok, donc là j'ai fait ouais j'ai fait un tiers c'est ça. Oh, pardon, j'ai fait un tiers. Ah j'ai faim. Ah trop d'efforts. Et c'est reparti. D'un.
2. Qui était pas très bien fait. Cinq. Six. Et sept. Non, augmentation. Ouais, finalement, ça se fait bien de travailler sur les petits trucs, hein. Et deux mailles serrées qui suivent. Une. Et deux. Du coup, il est censé m'en rester 7 et 1. Il est censé m'en rester 10. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ouais, champagne! Ah, j'ai mal au bras. Putain, ça muscle. Ça muscle de ouf. Pas du tout. Allez, c'est reparti pour 7. J'ai fait. Attends, qu'est-ce que je fais là? Je crois que j'ai refait. Ouais, c'est bon. J'ai fait du caca, voilà ce que j'ai fait. Et du non. Pas vite le fil, dis donc. Quatre. Cinq. Six. Et 7, normalement il m'en reste 3. Ouais, c'est ça. Une augmentation ici. J'ai perdu. Je sais pas si ça muscle. Ah, je crois que j'ai fait les deux. Moi, je finis par avoir mal parce que je contracte tout le temps. Ah, ouais, mais c'est ça. Non, non, mais je suis pas sûr que ça muscle. Hein. Mais c'est vrai que, ouais. Là, je sens que j'ai les muscles des bras qui travaillent. Ah! Je suis foiré! Voilà, inséré. En vrai, vraiment, le plus compliqué, c'est vraiment le début, hein. Partir au début. D'ailleurs, j'ai pas utilisé la technique du cercle magique, et franchement, ça rend aussi bien, hein. Je la connais pas encore, la technique du. Ah, mince. Du cercle. Ah, j'arrive pas à choper. Du cercle magique. Une technique pour démarrer. Ok, alors là je sais pas si je vais m'amuser à les recompter à chaque fois parce que ça commence à faire beaucoup. Je suis censé en avoir 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
23. Alléluia. Encore. C'était le tour 6. 2 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées. Ah, ils alternent un peu. Oh, j'ai trop faim. J'ai trop trop faim. Mais il y a tout ça à faire quand j'y pense. Le croix là avance bien. Oui, normalement tu termines par le dernier point marqué. C'est ça. Enfin, je m'arrête juste avant. Hop, voilà. Il y aura tout ça à faire. Allez, taf, hein. Allez, taf. Allez, tour 7. On a dit 2, 1, 8. Ça évite de compter, genre 2 MS, 2 augmentations, tu finiras donc par une augmentation. Comme ça évite de compter. On a dit quoi? On a dit 2, 1, 8. 1, 2, et là on a dit augmentation. Et là, 8. 8 mailles serrées. Pareil, fois 3, ouais, fois 3. Et d'une. Ah! Tu l'avais récupéré? Non. Deux. Trois. Ah! Six. Sept. Trop de tension dans les bras. C'est reparti pour 2. Oula. J'avais pas attrapé les deux. Ah, mais. Je deviens nul, ça y est. Voilà, et là, normalement, augmentation. Si j'ai bien compté. Faut se détendre. Hop, et là, 8.
Et de 2. Vous allez faire quoi de beau ce week-end, du coup, les petits loups? Qu'est-ce que vous avez prévu de beau votre week-end? 6. Allez. Je sens que c'est tout serré là. Et 8. Voilà. J'ai plein de bouquins à lire, sûrement beaucoup de lectures. Tu lis quoi de beau en ce moment? Je suis toujours sur. Ça fait un bail que je l'ai pas trop avancé sur. Alors, le quatrième tome, mais ça compte pas vraiment parce que c'est un tome divisé en deux. Techniquement, la deuxième moitié du deuxième tome de la saga de la roue du temps, dont on a vu la bande-annonce, enfin le teaser. Avec Kita de la série qui va en découler sur Amazon. Et j'ai hâte. Ça peut être le prochain, en termes d'ambition, pas en termes de style, mais en termes d'ambition, le prochain Game of Thrones. Peut-être même en termes de succès. Sport samedi matin et tranquille dimanche. Bah c'est cool, hein. Attends, moi j'ai quoi? Demain je travaille, de toute façon, c'est le samedi. Je bosse. C'est juste que je le stream pas. Mais je bosse et. Et puis samedi soir, je vais au tournoi Smash à la Weekly à Chambéry. Et dimanche, je crois qu'on n'a rien de prévu. Pas mal de sorties. Ah, bah c'est cool. Et suivi de rénovation. 8 et 1. 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Bah écoute, pas grave, hein. De toute façon, je j'avais que 3 augmentations à faire, donc c'est pas très grave si j'ai fait des mailles serrées. Je compterai quand même à la fin que j'ai le bon nombre, à savoir 36. Allez, rentre dedans. Hop. Je récupère dès que j'ai fini. Petite fournée là. Youp là. La route, la roue, la roue. C'est de la fantasy. Ouais, c'est de la fantasy. Vraiment médiéval, fantastique, magie, chevalier et tout le tralala. Bah c'est ça, la roue du temps. The Wheel of Time. Ah. On fait voir. Ah, c'est bon. Je me débrouille comme un caca. Hop. Passe dedans. On le file. Tu ressors et tu ressors pas avec. Voilà.
On va avoir du volume. Moi, je suis sur le troisième tome de la Compagnie Noire. Tiens, je connais pas. Des yeux 5 minutes. Et tout le boulot que tu as fait. Ah bon? Tu trouves que j'avance vite? J'ai pas l'impression. Un pouce for scale. Hein. La Compagnie Noire. Sachant que là, j'ai une liste comme ça de trucs à lire. Dès que j'ai fini mon bouquin là. Donc pas la saga, juste le bouquin, je m'attaque à l'intégrale de Lovecraft que j'ai reçue le mois dernier. Et j'avais pris aussi l'épée de vérité. J'ai pris l'épée de vérité à lire. Et quoi d'autre? L'Empire des Brumes, je crois que c'est. Les Annales de la Compagnie Noire. D'accord, bah je note de côté, je regarde. Mais merci, merci Mirabel, je suis flatté. Alors attends, je suis censé en avoir 36. Je vais compter dans ma tête, hein, je vous rassure. C'est bon, j'ai eu peur. C'est bon, on a le nombre. 36. 11, 1 x 3. Ok. Oh, j'ai trop faim. J'ai trop trop faim. J'arrive pas à me concentrer. Ah, oh, j'ai tellement la dalle. Je vais remplir mon estomac avec de l'eau. On va essayer de lui faire croire que c'est de la gouffe. Il y a combien de bouquins du coup? Les Annales de la Compagnie Noire. Série, cycle de la Compagnie Noire. Il y a 9 bouquins, bah rien que ça. Rien que ça. J'ai dit quoi? J'ai dit 11-1. On va perdre le compte. Tu les as en 4 intégrales. Ouais, mais j'aime bien les bouquins de poche. C'est marrant, hein, j'ai jamais été un grand fan des beaux grands bouquins pour les romans. J'aime bien les livres de poche. J'avais dit 3. Merde, je vais te compter. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Ouais, c'était 11, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah merde, j'en ai. Attends, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'en avais oublié. Je crois que je suis passé de 8 à 10. J'ai pas fait le 9. Dix, onze. Ouais, c'est ça, 11. 11, et là, une augmentation.
Allez, rentre. Hop là. Une et... Hop là. Ok, augmentation faite. Ah, j'ai mal, j'ai mal au bras. Hein. Ah. Allez, hop, on se détend. Voilà. C'est parti pour une rangée de 11. Quatre. Ah, du coup, j'ai pas lu le message de Limbe. J'ai le dernier tome de la trilogie de Hurle, des tomes de Fire Punch, et je dois en oublier. La trilogie de Hurle, ça me dit rien du tout, tiens. La fantasy aussi. J'avais dit quoi? J'avais dit 3. Allez, 4. Six. Neuf. Qu'est-ce que je vais? 10. Et 11. Pour être sûr, je suis censé, il est censé m'en rester 13. 11, 12. Ah. Je suis déjà sur celui de l'augmentation en fait. Ça va avoir 13. Donc j'ai dû en oublier en comptant. Et là je suis sur celui de l'augmentation. Et bah du coup je le fais. Hein. Du coup il me reste 12. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ok. Et de l'autre côté, du coup, je suis censé en avoir 11, 12, 13 fois 2, 26. Je disais, je recompte souvent, mais vu qu'avec le chat et tout, je me perds parfois dans les comptes. Je dis pas que c'est de votre faute, hein, c'est juste que je j'ai pas de mémoire. Ouais, c'est ça, 26. Premier tome de la trilogie de Hurle, l'argent inspire le château ambulant. D'accord. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Et voilà, toujours notre faute. Je m'attendais à ce que quelqu'un le dise, tiens. Exactement. C'est toujours de votre faute. Hop.
Bah c'est reparti pour 11, de toute façon on est juste au dernier où je ferai une augmentation. Deux. En vrai, je suis obligé de compter là. J'avance juste jusqu'à la fin. Et au dernier, ça sera 2, et puis voilà. Je vais plus m'embrouiller qu'autre chose. Ah. Ah, je l'ai perdu. Hop, et il m'en reste deux, dont un que je suis en augmentation. Hop, et le dernier en augmentation. Et j'ai trop mal au bras. Putain. Et deux, deux. Bon là je recompte pas normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Nova elle est sage là, ouais, elle est... Bah, je l'envoyais chier tout à l'heure parce qu'elle commençait à venir rôder avec les fils et tout, j'ai fait nope. Et du coup là elle est partie d'être avec Moment. Elle doit être avec Moment. Ah. Ah j'ai tellement de tension au niveau des muscles des bras. Donc c'était le tour numéro 8. Il est quelle heure? 18h40. 5, 1, 7. Est-ce que je m'arrête là ou pas? On n'aura clairement pas le temps de faire tout ça ce soir. Hein. J'en suis au tour... Je vais faire le tour 9. Après, t'as 5 tours où t'as pas d'augmentation. Tu fais le milieu. Et après, tu recommences à refermer. 2 tours avant la fin, tu rembourses. Le rembourrage doit être assez ferme pour bien donner sa forme arrondie à la tête, tout en gardant un certain moelleux. Attention à ne pas trop rembourrer, sans quoi les mailles seront écartées et le rembourrage se verra au travers. Exactement. C'est marrant. Après, tu fais le petit nez, tu fais les petites oreilles, tu fais le petit nez, les petites joues. Il faut bien se souvenir où tu t'arrêtes. Ouais, avec le marqueur. Et là-dessus, je vais mettre un petit trait. Je vais mettre un petit trait devant. Eh bien, merci beaucoup pour ton follow, Macowen. Merci beaucoup. Bienvenue, ben, bienvenue officiellement à toi. Tu verras ici, je fais plein de choses. Hein. Je fais plein de choses. Je suis développeur de jeux vidéo avant tout. En ce moment, je fais de la 3D, je fais du pixel art, je fais de la peinture sur figurine. Plein de choses, je te dis. Je te dis, je. Là, c'est le corps. Ça va être un gros morceau. Pourtant, techniquement, il n'y a que 14, 14 tours. Ouais, c'est ça. La tête est plus grosse que le corps. Les popotes. Les popotes. Alors là, c'est l'assemblage. Avec un petit peu de. Avec de la broderie. Oh, oh pardon. Je tourne la tête en me disant personne ne va me voir. Tu parles, il y a l'autre caméra. Donc voilà, donc n'hésite pas à repasser si tu veux. Et encore une fois, bienvenue à toi. Et après, tu coups les différents éléments.
J'ai jamais fait de couture. Et là, t'as le bébé koala. Qui est un peu différent. En fait, il est juste tout rond. Et après, t'as les accessoires. T'as un petit sac, un tout petit sac à dos. Et des petites feuilles d'eucalyptus. Voilà. Et après, ça donne ça. Ça sera notre objectif. Ça va être cool, hein? Ça va être trop cool. Je sais pas ce que je vais en foutre après, mais. Ça sera cool. Mais bon, hein? Chose après l'autre. Ah. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je refais une ligne? C'était quoi la prochaine ligne? 5, 1, 7. Tu le feras gagner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En giveaway, mon premier giveaway. En fait, ça serait trop cool hein, que les trucs que je fais après, je les file en giveaway. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Hop, je vais m'arrêter là, du coup. Je vais laisser le marqueur sur l'autre et je vais en mettre un ici. Il est tout neuf celui-là. Jamais servi. Voilà, comme ça j'ai l'endroit de mon crochet et l'endroit du début du nœud. Et puis je m'en serais douté. Et voilà, on dirait un petit béret avec la petite ficelle là comme ça. On dirait un petit béret. Voilà, j'ai un tout petit béret. Bon bah voilà, c'était le. Ah oui, je vais détendre parce qu'à force de le tourner, du coup. Ah oui, c'était tendu, hein. Oh la vache. Ah, ça me rappelle quand j'étais petit et que je faisais ça avec mes manettes de PS1. Hop là. Et voilà. Une magnifique pelote avec un béret. C'était la créa du soir. Merci à tous. Tu as bien bossé. Ben, je vous remercie. Je vous remercie. Du coup, ben, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le crochet, j'espère que ça vous a un peu plu. Vous avez vu, on est qu'au début de ce gros travail. C'est marrant, tiens, ils n'ont pas mis combien de temps. Non, ils n'ont pas mis combien de temps ils estimaient. Sur le carton. Non. Non, non, non. Ah, il y a 88 mètres de trucs gris. 88 mètres? Ah ouais, quand même. Ah, il faut que je fasse le petit trait. Sinon, je vais oublier. Hop. Je pense que la suite, ça sera vendredi prochain à la même heure. Mais c'est pas dit, je vais voir mon planning. Je vous dirai ça. On en est au tour 9. Hop, petite flèche. Ici Tipix, c'était cool. Ah bah je suis content que ça vous ait plu. Alors j'avoue j'étais pas ultra bavard, mais il fallait que je enfin, j'ai l'impression en tout cas il fallait que je compte. Je fais attends, j'en suis où? Ok, c'est bon. Hop, du coup ça je vais le laisser dedans. Il est où là? Ah, il est là, le crochet. Et le reste je vais le mettre après. Je sais pas si je vais l'avancer en stream. Le but, c'est que vous voyez l'évolution au fur et à mesure. Donc je pense pas l'avancer hors stream. Je pense que j'essaierai peut-être faire plus de stream dans ce cas-là. Pour qu'il avance bien. Parce qu'une fois par semaine, hein, c'est-à-dire que vendredi prochain, on finit à peine la tête. Hop. Ça va là. Et ça. Ça va ici. Ouais, ça se ferme. Voilà. Et rangé. Hop. Bah du coup, on va reparamétrer le micro pour éviter de vous casser les oreilles. Même si en vrai, avec le noise gate, enfin le compresseur, ça, vous entendez pas trop de différence. Ça me permet juste de le mettre plus loin et que vous puissiez m'entendre sans que j'ai besoin de gueuler. Voilà. Et moi je regarde chez qui je peux vous enlever. 16 personnes qui stream ce soir, et toujours plus. Toujours
plus. Il y a des gens sur sur Animal Crossing, il y a des gens qui font du dev. Baba, il a commencé la vidéo games la, attends, la VG, la vidéo game lab game jam. Il y a Ormark qui fait du Dark Souls. Ah, il y a Sarangon qui s'est remis au stream, tiens, et qui fait aussi du Animal Crossing, sans surprise. Il y a Fafa qui fait du Sekiro, quoi. Try not to hurle, c'est grand mort. Tu regardes Baba aussi, hein. Ah, vous pouvez voir le début du développement d'un jeu, ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression que je le rate tout le temps en ce moment. Va falloir que je follow des nouvelles personnes. Hein. Ouais, bon, allez, on va aller voir Baba. Je crois qu'il a déjà mangé un raid cette semaine. Il va croire que je suis un fanboy. Hein. Vas-y, t'en fais voir. Ah bah, il y a Okidoki qui est déjà là-bas. Ah bah non, mais je suis con, c'est toi qui... Parce que j'ai vu le chat, j'ai vu Okidoki, je fais « Ah bah tiens, il est déjà là-bas. » Hop, je vérifie juste quand est-ce que je l'ai la dernière fois, mais bon, je l'ai lancé, je vais pas l'annuler. Ah, il y a 3 jours. Ouais, c'est ça, je l'ai raid il y a 3 jours. Bah écoute, voilà. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, vous étiez en l'heure, que vous étiez là, parce que j'ai mis le tag crochet et que ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à balancer un petit follow. Comme vous avez pu entendre, je fais plein de choses différentes. Nous, on se donne rendez-vous dimanche soir. Dimanche soir, on fera de la peinture sur figurine. Je pense qu'on finira les loulous qu'on avait commencé. Et puis voilà. Ouais, stay tuned pour le planning. Moi, je pense qu'il arrivera lundi. Puis ouais, non, passez un bon week-end, c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonne fin de semaine à vous. Bon vendredi soir et puis bon week-end à vous. Des bisous.